Bon, on va se lancer directement. Ouais, vous voyez bien. J'ai fait toutes mes. Tous mes. Comment ça s'appelle? Tous mes petits trucs, en fait. Hein. Les liens que j'ai pu partager sur mes réseaux. Enfin, sur mes réseaux. Oui. Twitter et Discord. Je pourrais faire avec les autres aussi. J'oublie à chaque fois. Faudrait que j'essaye de faire sur Instagram. Et face de book. Ouais. Je sais. Blague des années 50. Donc on est go. Donc, chapitre 10. Ashley parvient à libérer Léon du piège dans lequel il est tombé. Malheureusement, les retrouvailles sont de courte durée. La jeune fille est une nouvelle fois capturée. Léon s'enfonce dans les dédales du château pour la sauver. Donc on l'a retrouvée d'ailleurs juste après. Dans le dernier épisode, on l'a retrouvé, sauf que bah, lors du rituel, que c'était qui d'ailleurs qui le faisait passer? Je sais plus s'il y avait quelqu'un. Mais si c'était Lord Sadler. Enfin, je crois, je sais plus comment il s'appelait déjà. Et en gros, on a. Elle a dû boire en fait, ils l'ont forcé à boire l'eau noire en fait. C'est pas vraiment de l'eau, mais en tout cas le liquide noir. Ils l'ont forcé à le boire et ça a accéléré en fait la propagation du plaga en elle. Et suite à ça, en fait, bah, elle s'est pas transformée, du moins pour l'instant. C'est juste, on voit les veines noires, tout ça, on voit que ça s'est accéléré. Bah, elle n'a pas été transformée encore. Donc voilà, et en gros, Léon s'est fait capturer. Il y avait un des deux gardes. Bah, je connais que Lord Sadler, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est le nom du petit. Hein. Ou alors c'est le nom de son boss, mais je suis pas sûr. Je sais plus comment s'appelait. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, donc en gros, parce qu'il dit qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui. Je sais plus, c'est dans l'original, il dit qu'il a un boss, quoi. Il a quelqu'un au-dessus de lui. Je sais plus, je sais plus. Alors attendez, je regarde vite fait. Donc là, j'ai acheté le calice de l'expiation, pardon. Et masque élégant. Là, ça vaut 32 400, rien qu'avec les deux joyaux que je viens de lui mettre. Là, les deux. J'oublie le nom à chaque fois. Les deux joyaux bleus. Ici, j'ai mis donc. Pareil, j'oublie le nom, c'est dingue, hein. Ici, il en manque plus qu'un, le 13 200. Je sais pas si j'ai. Ah, attends, fais voir. Juste comme ça. Retirer des pierres. Ah non, ouais. Juste voir. Pas ça. Ici. En lui mettant celui-ci, ça vaut combien maintenant? 18 000. Je vais retirer toutes les pierres. On va mettre. Non. On va faire comme ça, c'est mieux parce que c'est chiant en fait. On va mettre les deux bleus ici. Tout à l'heure c'était les rouges. Tac. Et hop. Ça vaut 19 200 cette fois. Voilà. Pour l'instant. À 22 000, c'est même plus. Je crois. Ah non, attends. Je sais même plus combien ça fait. Mais en tout cas, là, ça vaut plus. 19 200. De toute façon, je peux retirer les joyaux comme je veux. Donc, je pourrais les changer. Ici. Je me suis refait un petit peu de munitions, vite fait. Ici. On va pas fabriquer. Ah si, attends. Ah non, il me faut combien là? J'en ai combien? 14, il m'en faudrait 3 de plus pour pouvoir en fait fabriquer des munitions de Magnum. Mais sinon, je n'ai rien à jeter. Donc voilà, c'est bon.
J'ai tout en, ouais, en soins, c'est bon. J'ai un couteau supplémentaire. Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est go. On est tous de go. Et on va par là. Truc que je regardais sur. Oh! Un produit d'entretien. Pas très utile ici, apparemment. Je regarde quand même sur le. C'est lui qui respire ou c'est autre chose? Oh, une botte. Et je regarde des choses inintéressantes. Douche d'azote liquide. Demandeur. Isidro. Isidro. Ou Isidro. Je sais pas comment on dit. Uriat. Uriart. Talavera. Date d'installation de novembre 2002. Les douches d'azote liquide qui ont été demandées le mois dernier ont bien été installées. Avertissement, l'azote liquide est une substance extrêmement dangereuse pouvant entraîner des brûlures cryogéniques, la cécité, voire la mort. Veuillez faire preuve de prudence lors de sa manipulation. Ok, donc on va avoir de l'azote liquide. Ok, donc là on est dans des installations, là on est dans des choses modernes là cette fois. C'est à l'intérieur du château que ça a été construit. Donc il y a eu des scientifiques, tout ça. Encore une fois, je sais plus comment se passe l'original. Bah, je sais plus. Il y a certains aspects de l'original, bien sûr, qui sont là, hein, on le voit, hein. C'est un remake de l'original, dans le sens où. Non, je sais même plus, voilà. Dans le sens où on a comment ça s'appelle, des lieux qui sont de l'original. L'histoire reste quasi la même. Il y a des petits changements parce que contrairement depuis qu'ils ont commencé à faire les remakes de RE, le 2, bah c'est un remake dans le sens où bah il est très beau. Mais il n'y a pas de réel changement scénaristique. Voilà, le seul changement qu'on peut tolérer, pas tolérer, mais qu'on peut voir en fait, c'est lorsqu'on fait la phase B, donc avec Claire. Ou alors avec Léon qu'on refait, je crois, je sais plus. Bon, en tout cas avec Claire, quand ben, moi j'ai commencé avec Léon, je crois, si je dis pas de conneries. J'ai commencé avec Léon. Et quand j'ai fait avec Claire, à un moment donné avec Léon, normalement, on fait un. Il y a un, comment ça s'appelle, un claqueur qui apparaît à un endroit. Et normalement. Dans une salle, en fait, il y a une statue où on doit remettre un bras et un livre rouge. Ce qui fait que quand il baisse le bras, l'autre bras qui tenait un sceptre avec un joyau dedans, eh ben, en fait, on n'a pas de claqueur dans ce. De claqueur. De liqueurs, pardon. Claqueur, c'est The Last of Us. De liqueurs dans cette pièce. Et quand on fait avec Claire et qu'on arrive dans cette pièce pour faire la même chose, eh ben, t'as un liqueurs dans cette pièce-là. Et moi, ça m'a fait peur, puisque je m'attendais pas à avoir un Lickers. Donc voilà. Yo, comment tu vas? Ah, Sams, comment ça va? Désolé, hein, j'expliquais. Sams vient d'arriver dans le chat. Ça a été ta journée? Bien, cool, normal. Boulot, boulot, et tranquillou, quoi. Pas beaucoup de gens au magasin, d'ailleurs. Étonnamment. Mais, donc voilà. Bah, pas beaucoup. Il y a eu des gens, mais pas énorme. Et toi, ta journée, comment ça a été? Donc, en attendant ta réponse, donc, et dans le 3, en fait, c'est pas. Voilà, il n'y a pas eu de gros changements. Il y a même eu d'ailleurs. Enfin, si, il y a eu un changement, c'est qu'ils ont retiré des choses au lieu de modifier ou encore de rajouter, de changer certaines scènes et trucs comme ça. Ils ont enlevé des trucs. Moi, je me rappelle pareil, le 3, je m'en suis plus trop souvenu de l'original. Je me souviens juste qu'on s'est poursuivi par une Némésis, bien sûr. Mais dans le sens où, dans le 3, ils ont retiré. Je crois qu'il y avait une scène, si je me rappelle bien, où tu as une espèce de ver ou un truc comme ça, géant, qui dans un cimetière ou un truc comme ça, je crois, hein, si je me rappelle bien. Et deux, trois autres scènes, je crois, un truc comme ça, qui étaient importantes dans l'original et qu'ils ont retiré dans le remake. Ce qui, pour moi, a desservi le jeu, très clairement. Il est cool à faire, hein. Vraiment cool. Ils ont fait un changement aussi, par exemple, si ils ont fait un changement par rapport à Nemesis. Je sais plus si dans l'original il a des transformations, mais je sais que bah, voilà, dans le remake, on le voit normal. Après, on le voit un peu changé, tout ça, bête sauvage comme j'ai mis dans un titre. Mais voilà, c'est le, on va dire, le plus changement majeur pour moi, pour ma part, qu'ils ont fait. Voilà, c'est tout.
cool. J'ai repris Hunter Shadows avec moi, mon jeu préféré. Oui, non, mais tu me l'as dit. Ouais, ça, ouais, je l'ai bien lu ça la dernière fois. Ça a été ma journée. Cool alors. GeForce Now, c'est le meilleur PC cloud gaming. Ah ouais, non, mais il y en a pas mal qui l'utilisent ça aussi, hein. Il y en a pas mal qui l'utilisent, GeForce. Et donc voilà, et parmi les RE, le 4 est pour moi qui a le plus de changements. Déjà par rapport à Ashley. Ashley, normalement, elle n'est pas, je crois, de base, elle n'a pas été contaminée par le plaga dans le passé. Ou alors elle avait le plaga, mais on n'avait pas de changement, on n'avait pas de truc significatif de son côté. Et là, en fait, c'est un changement, je trouve, assez cool. C'est que Alde, allez, c'est un allié. Enfin, c'est quelqu'un qu'on doit sauver et elle peut être un allié dans un sens parce qu'elle peut aller dans des endroits que nous on peut pas aller. Elle peut pas nous soulever par exemple pour aller à une interstice vers le haut. Donc on la passe par là et elle peut nous ouvrir de l'autre côté ou peut-être, jusqu'ici ça n'a pas été le cas, mais récupérer des objets dans un endroit où on peut pas aller nous-mêmes. Donc c'est cool. Mais je trouve que le 3 en fait aurait eu plus d'importance s'ils avaient pas retiré. Après, je pense qu'ils ont retiré par rapport au 3, je pense qu'ils ont retiré certaines scènes. Parce que ça a retardé la sortie du jeu. Peut-être. Je pense, hein. Je suis pas sûr, mais je pense. Donc voilà, fini de parloter. Fini de parloter. Donc comme j'ai dit, on arrive dans un endroit plus moderne, moins moyenâgeux. Ok, on peut appuyer ici. Je pense que ce sera pour ouvrir la porte ou ici. Cas, c'est calme, calme, calme. Hein. C'est tout froid d'ailleurs. Par contre, je dois attendre Resident Evil 8 et 4 Remake qui n'est pas encore disponible sur GeForce Now. Ah! Bah, c'est ça qui est chiant, c'est que tu dois attendre en fait qu'ils sortent sur PC. Parce qu'en général, les jeux qui sortent sur console sortent relativement tard par la suite. C'est-à-dire que, en général. Je crois que R7 est sur PC et donc je crois que ça a attendu un an ou même un petit peu plus tard pour sortir sur PC, même Horizon Zero Dawn ou Forbidden West. Je sais pas si c'est sorti sur PC déjà, mais ça en général faut attendre un an, grosso modo un an pour avoir les jeux sur PC. Alors quand je dis les jeux, c'est pas tous les jeux. Ok, c'est la barre. Je crois que c'est pour ouvrir ici, puisqu'il y a des choses. Hein. Ah non! Oh! Genre, à un moment donné, ça va s'ouvrir ici, puisqu'on va devoir revenir là. Et on va être poursuivi. Et on devra appuyer sur ces boutons-là pour pouvoir peut-être retarder un monstre qui va nous poursuivre. Ou des ennemis juste, tout court. Yes. J'aurais bien voulu des magnums aussi. Mais munitions de pistolet, c'est bien aussi. Chronique de recherche 3. Mais 9 ans après mon éveil, lorsque j'ouvrirai cette valve, ce liquide noir entrera dans mes veines et circulera dans tout mon corps. Je m'attends à ce que ce soit l'expérience la plus douloureuse de toute ma vie. J'attends cette épreuve avec impatience. C'est un honneur d'endurer le travail sacré de la Renaissance. La prochaine fois que j'ouvrirai les yeux, je serai le véritable serviteur du maître Ramon. Moi, Isidro Uriarte. Yurt Talavera, je fais ce serment. J'irai au-delà des limites humaines et deviendrai un vrai serviteur de Dieu. Je traquerai les hérétiques et serai leur bourreau, leur verdugo. Verdugo. Ok. J'ai RE7 et Resident Evil 2 Remake. C'est cool. Les Resident Evil sont mes préférés. RE8, RE7, mais en remake, le 2 et 4. Ouais. Mon premier Resident Evil, c'est le 7. Ah, c'est ton premier. Moi, mon premier, c'est le 2. Mon premier c'est 2 et après j'ai fait le 0. Ça c'est sûr. J'ai fait le 3 ensuite. Mais c'est pas genre je les ai pas fait à leur sortie, hein. Je les ai fait bien plus tard. Je les ai fait bien plus tard. Je connaissais déjà les RE, mais
Ça me disait bien de d'y jouer, donc j'ai joué. Alors quand je dis bien plus tard, c'est peut-être un an ou deux après leur sortie, quoi. Grand max. Donc voilà. Ok. Donc je pense qu'on va combattre ce mec, ce serviteur, hein, ce, je sais plus comment il s'appelle déjà. En 2 secondes chrono, j'ai oublié son nom. Donc 2, ça me fait 16. Hein? J'en avais 14, oui, non, je suis con. Non, non, j'ai rien dit. 16, 16, donc il m'en faut un de plus. Oula! J'ai même pas vu celui-là. Ces gens ont un problème. Tu crois ça? Bon, il a l'air nickel chrome. Par contre, ouais, graphiquement, le 4 sur le. Sur le. Comment dire? Sur la. Sur PS4, ils l'ont beaucoup moins travaillé. Parce que ça se voit que certains moments du jeu, les graphismes se mettent un petit moment, en fait, la texture met un petit moment à s'afficher, en fait. Là, comme tu as pu voir, il y a plus 5 secondes, en gros, grosso modo, où sur le corps, tu voyais que c'était plat, c'était mal foutu, quoi. Donc voilà, attention. Voilà, capture d'écran. Sur PC, tu vois, je pourrais faire une petite capture d'écran sans mettre ma main devant la cam, tout ça. Alors attends. Ah non, je faisais. D'accord, ok, je vais de l'autre côté. J'ai rien dit alors. Je pensais que je reviendrais ici pour ouvrir la grille. Du moins, j'appuierai. Ascenseur. Ouais, bah attends. Donc là, c'est l'ascenseur. Avis de coupure d'électricité. Équipement hors service. Afin d'économiser l'électricité, le courant a été coupé pour certains équipements, notamment l'ascenseur. En cas de besoin, vous pouvez le rétablir à l'aide du disjoncteur situé tout au fond du laboratoire. Oh oui, bah forcément, hein. On peut pas être juste à côté, hein. Oui, t'inquiète, je sais, j'ai vu. Pouf, voilà. Ça c'est cool, il y a de la physique. Couteau! On va mettre là. Il y avait autre chose là, non? Non? Ah, c'était ici. J'ai cru que c'était sur une étagère. Il y avait plus rien, hein, mis à part, bien sûr, là. Mais, attention. On fait gaffe. Oh mon Dieu, c'est quoi ça encore? Oh, ils ont fait comme les originaux. Ils ont fait comme les originaux. Purée, incroyable quand même. T'as fait tout pratique. Ouais, mais c'est ça, ouais. J'ai fait pas mal de erreurs en fait. Hein. C'est normal, ancien jeu, sûrement. Ils ont repris du 8 pour refaire le remake du 4. Ouais, non, mais on voit très bien j'allais dire la ressemblance, mais les liens qu'il y a avec le 4. Hein. RE8 Village, c'est très clairement RE4 en quelque sorte. On voit Léon, il est. Il se sent pas bien. C'est quoi, on va prendre ça, on sait jamais. Merci. Non, j'ai pas plus. Merde! Ah, ça dure pas longtemps, ça a mis combien de temps à revenir? Ça clignote, et ça s'arrête. Ok, d'accord. C'est pas très longtemps, mais. Là à droite. Ok, pas de soucis. Bah merci d'être passé en tout cas et bonne soirée à toi, Sams. Je sais pas si t'as mangé, donc bon appétit au cas où et bonne soirée. Demain je live, oui, demain je live. Et je pense live dans l'après-midi vu que le week-end je bosse pas là. Donc je pense faire plusieurs lives. Deux ou trois, peut-être. J'entends son grognement, hein. C'est chiant.
Il doit être dans les... Un chien peut-être. Allez, apparaît là. Après, j'ai sauvegardé, il n'y a pas grand-chose à faire. Putain, avec la musique. Putain, mais la musique, j'aime pas. Ça fait poum, poum. Je sais pas s'il est là, en fait, je le vois pas. Il doit être en haut. Est-ce que c'est parce que je cours pas qu'il ne vient pas? Oh, il y a une pièce ici. Il y a un bouton là. Est-ce qu'il serait le seul? Moi, ça m'arrangerait qu'il soit le seul. Je ne peux pas y aller. Du moins pas pour l'instant. Je pense qu'il faut que je... Il faut que je réactive l'électricité. Le disjoncteur. Obligatoirement. Putain, je suis pas bien, hein. Je suis très stressé là quand même. Oh, ça va ouvrir, bien sûr. Est-ce qu'il y a un bouton quelque part? Non, il n'y a pas de bouton. Ça va ouvrir la porte ici, je suis sûr. À 100% c'est sûr. Soit la porte où je passe, là, où je viens de passer, se bloque, et donc je vais aller le combattre. Soit faudra que je... Ouais, faudra que j'aille là-bas. Ah non, c'est... Ah non. Pas du tout, c'était l'autre grille. Attends, ça a ouvert là-bas. Ah oui, non, d'accord, je pensais que c'était disjoncteur. D'accord, ça s'ouvre. On voit que c'est ici que ça gèle. Hein. Par rapport. Bon, ça gèle un peu partout. Mais c'est surtout là, je pense que ça va. Ah, les tuyaux sont là. Putain, il s'est barré, mais il a été là-bas, je crois. Putain, c'est chiant. Hein. Enfin, c'est chiant. Dans le sens de pas le voir, d'entendre juste son grognement, bordel. J'ai pas eu le temps d'appuyer. Putain. Oh, j'y vais doucement, hein. Je suis désolé, mais... J'y... En plus, il y a les trous sur les murs, là. Enfin, les trous. Espèce de conduit là, je sais pas quoi là. Je suis sûr que ça peut sortir là aussi, les tentacules. Je sais pas ce que c'est comme créature. Oh, je le vois là. Oh, je l'ai pas. Ah. Merci. Ça, c'est cool. Je peux aller sur chaque côté. Je regarde juste ici, il y a quelque chose, il y a rien. Du moins pour l'instant. Parce que peut-être que j'ai mal vu. Ah, de l'herbe. De l'herbe, de l'herbe. Je vais pas me soigner pour l'instant. Ouais, non, c'est bon, il y a trois herbes. C'est ça le disjoncteur. Le laser futile. Il ne faut pas être trop près. Ah, bordel! Voilà.
Waouh. Bah là par contre je vais l'utiliser. Par contre attends. Ouais non, on va prendre celui-là. Le poisson donne plus de soins. Oh merde! Dépêche-toi! Oh! Ouais, il me laisse le temps, c'est cool. Ok. Donc l'ascenseur revient, mais. Voilà, qu'est-ce que tu prépares? Non! Genre! Mais j'ai fait rond, hein, j'ai fait rond. Pourquoi ça veut pas ça? Ah, la porte est... là-bas, c'est ouvert? J'avais pas vu qu'il y avait une. Ah! J'avais pas vu qu'il y avait une porte, moi. Ok, attends. Là, j'ai du stuff. Tac. J'utilise le pistolet. Ah, j'ai pas vu que je viens de récupérer. Désolé, désolé. Elle me donne beaucoup de stuff pour lui là. Ah, en plus, je vois. Ah, mais non, c'est bon. Je vais garder. J'ai récupéré. Il y a autre chose? Ouais, là. Il marche au-dessus en plus. Ah merde, c'est éteint! Ah, on peut pas trop l'utiliser apparemment. Attends. Je réfléchis. Attends, il m'a fait du mal. C'est quoi? Putain! L'enfoiré! La tête qu'il a quand même! Oh, faut pas, on va pas m'enlever quand même qu'ils ont pris de la référence sur Alien. Hein. Ça se voit. Hein. Avec la queue, tout ça, c'est très Alien. Je cherche. Au devant. Oh merde! Oh, il est apparu là, l'enfoiré! Il peut venir? Il peut venir. Oh, il peut venir quoi. Je suis obligé là, je suis obligé de faire ça là. Non, pas ça. Bah ouais, non, attends. Je vais te refroidir, moi.
suis obligé là cette fois. Non, attends. Ah ouais, en fait, ce qu'ils m'ont tout donné, j'ai tout utilisé quasiment. Attends, je vais essayer de le faire venir. Attends. Ouf. C'est dommage hein, qu'on puisse pas faire ça. Tac. Directement. Ah, je devais juste attendre. Ah, l'enfoiré. Ah oui, le... Mais l'enfoiré double foiré même. Je peux pas en fait le tuer, je pense. Hein. Ah, moi non plus. Oula, ouais, ça a commencé à avancer. J'ai stressé quand même. Pauvre petit agneau, ta souffrance peut prendre fin, comme elle a pris fin pour notre petite dernière, qui nous a rejoint dans la communion. Désormais, elle est notre chair. Mon fidèle disciple lui montrera la voie. Allez, offre le salut à ces pauvres âmes égarées. À vos ordres. Oh! Donc il parle pas à nous en fait, je pensais qu'il parlait à nous. Mais en fait on voit... En quelque sorte... Ah! Je vais te faire un prix d'ami. C'est quoi? Parce que c'était... machine à écrire, bien évidemment. On va pas se refuser ça. On va juste prendre ça. Voilà, voilà. Ah bah franchement, c'était stressant quand même ce passage. Je pensais qu'on devait le tuer. Et qu'une fois on l'aurait tué, hop, ping, l'ascenseur arrive. Mais en fait, pas du tout. L'ascenseur est, comment dire, arrive et on doit s'échapper. Je pense qu'il est possible de le tuer. Mais tu utilises toutes tes munitions, quasiment. Tu te sens bien ? Ouais, je crois que ça a marché. Malheureusement, ça te permet juste de gagner du temps. Les effets de l'inhibiteur s'estomperont bientôt. T'es prêt à y aller ? T'en fais pas pour moi. Ashley est la priorité. Dans ce cas, on sait ce qu'on a à faire. En route, Sancho Panza ! Allons secourir la princesse Dulcinea. Fais gaffe, tu vas te faire mal. Hey, c'était ma lance. Ok, on dépêche. Pourquoi tu m'aides? Qu'est-ce que tu gagnes? Pas besoin d'être aussi méfiant. Je t'ai dit que je t'aiderais, non?
Ouais, attends. On va un peu remettre de l'ordre. Ça m'a aidé, très clairement. Ça m'a bien aidé. Voilà. Ça va, j'ai pas plus utilisé que ça. C'est cool. Par contre, je suis où là? On est au-dessus, d'accord. En dessous, je pourrais retourner, je pense, pour récupérer ça. Par contre, il y a l'autre, hein, encore. Il y a l'autre méchant pas beau. Regagner la surface. Ici. Journal du contremaître. Date 11 octobre. Aujourd'hui, j'ai passé la pire journée de ma vie. C'est le cinquième anniversaire de ma fille, mais me voilà coincé sur un bateau miteux en direction d'un endroit pourri de l'arrière-pays. Si la paye n'était pas bonne, je crois que personne n'accepterait de travailler au milieu de nulle part. 19 octobre. Les types du château nous rappellent constamment de faire attention durant l'excavation. Mais des ouvriers se sont effondrés après avoir inhalé de la poussière. Il se passe quelque chose dont ils ne veulent pas nous parler. Il y a beaucoup trop de secrets ici. Je commence à tousser aussi. Je devrais dormir. 26 octobre. Ça ne va pas du tout. J'ai craché du sang 3 fois aujourd'hui. Et je me sens tellement faible que je peux à peine bouger. Merde, j'aurais jamais dû venir ici. Je l'ai fait pour l'argent, mais au final, c'est moi qui en paie le prix. Je suis vraiment un père indigne. Pardonne-moi, mon ange. Octobre, depuis matin, tête mar marche pas. Tête, depuis matin, tête marche plus. Pourquoi? Cracher plein de sang, plein d'insectes rampes. J'entends une voix. Encore une superbe journée de travail. Creuser m'apporte tant de joie. Ma vie est pleine de bonheur. Je vous offre tout. Vos désirs sont des ordres, Lord Tadler. Ok, bon, lui est sous le contrôle. Ils ont enlevé un. J'ai reçu Ils ont quelques enlevé nouveautés Ils ont qui devraient enlevé un t'intéresser. père à sa fille. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, Échanger, j'ai combien? J'en ai 8. Il me faudrait joyaux. T'as des joyaux? C'est quoi ça? Ah, mon Jeton don me d'or. fait Un jeton d'or souffrir. pouvant C'est être toi utilisé à vis-à-vis la qui fais machine à jetons du sentir stand je de tir suppose. augmente les chances d'obtenir des lots rares. Des lolos rares. 3, 6. Il me restera 2. Oh, j'ai bien compté, mon Dieu. Et en plus, je pourrais prendre là. Donc, elle est obtenue. Tac. Non! Ça, c'est une Il est où? valeur sûre. Je fais Hein? pas la charité, moi. Ah non, c'est là, putain. Tac. Hey, très bon Et choix. ça. Je sais, je dis souvent ça, mais je le pense vraiment. Oui, bien sûr. J'ai encore quelques petites nouveautés qui reviennent Oui, je quand sais, je sais, je sais, je sais. tu veux. Alors, attends. Je garde ça, bien sûr. Fabricade. Oh, Fabricade. Non, pas ça. J'en ai pas assez, j'en ai que 13. D'accord. Voilà. Surtout. Bon, c'est bon. Bienvenue. Modifier, alors j'ai 9046 en termes de vente. Je peux rien vendre pour l'instant parce que j'ai. Ah, si, je peux vendre ça, c'est vrai. Merci. Tac, je vais juste. Ah, oh, non, c'est vrai que j'avais des couteaux donc amélioration amélioré spéciale. Multiplier la vitesse d'attaque par 1,5. Effectuer toutes les autres améliorations ou utiliser un ticket d'amélioration spéciale pour débloquer ceci. D'accord, faut que j'améliore les deux pour améliorer ça. Ou alors par la suite il y aura encore des améliorations, mais je suis pas si sûr. Je suis pas si sûr. Ici, bon, on va réparer ça. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Modification. Capacité, je vois pas trop l'intérêt en fait. C'est cadence de tir, peut-être. Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. Ici. Non, pas vraiment.
On va économiser pour ça. Dommage qu'on puisse pas l'améliorer. Bon, ça ferait une nouvelle chose à améliorer, mais ça serait bien. Ça aurait été cool de l'améliorer. Bah, c'est tout. J'ai plein de choses intéressantes. Alors, fais voir. Vendre, ça direct. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? C'est ça, là, faudrait que je prenne mes... Tout ce qu'il y a tellement de choses à améliorer et à acheter. Donc, ouais, non, il y a... Nouvelle chose, c'est pas plus. Trop que ça. Ah, c'est une plus... Ah non, ça c'est racheté. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Non, c'est vrai. Te faire tuer, hein. Les trucs de... pour sauvegarder, c'est où? Ah, c'est là-bas. Ah oui, attends. Ça. J'envoie au coffre. Jette un œil, quelque chose va forcément te plaire. Voilà, on va voir ce que je peux récupérer. Il est avec moi toujours? Mais c'est... Non, c'est ici. C'est tout? On peut pas faire plus? Il en faut 3. Putain, l'arnaque, j'aurais pas dû utiliser ça. Non, on s'en fout, moi je veux pas stand de tir, ça sert à rien pour moi. Même si je peux avoir des trucs nouveaux. Mis à part encore les comment ça s'appelle, les jetons. Mais bon, j'aurais peut-être pas dû. Voir cela. Toi, tu dégages l'odeur du combat la nuit. Ouais. Voilà. On va sauvegarder. Attends, coffre, je regarde ce que j'ai. C'est bon, non, j'ai rien de. Bon. Ah, je crois qu'il y avait une plante jaune. J'ai un peu de mal à faire confiance à quelqu'un qui a bossé pour Umbrella. Alors t'es au courant. Umbrella est traité. T'as plus besoin de te préoccuper. Et de... T'as pas répondu à ma question. Pas sûr. Qu'est-ce que tu cherches? Je veux juste être en paix avec moi-même. Faire amende honorable. Quelque chose comme ça. Par contre, moi j'aimerais bien qu'il revienne Umbrella. Umbrella pour moi c'est le vrai véritable ennemi. Hein, puisque entre temps, donc on a eu le Plagar. On a eu de nouveau. Wesker. On pourrait même faire un clone de Wesker. Genre un clone, mais quelqu'un vraiment qui a ses souvenirs, tout rien, en fait, tout ce qui serait passé, en fait, aurait été transféré dans son nouveau corps, on va dire, amélioré ou je ne sais quoi. Qui serait genre un peu sous le contrôle, en fait, de l'ennemi, genre de l'ennemi qu'on aurait au tout début, et après Wesker reprendrait le dessus, parce que c'est quelqu'un de très fort, très intelligent, et reprendrait le dessus, peut-être tuerait ceux qui l'ont fait revenir. Mais, ou alors, soit il le tuerait, soit c'est nous qui le tuerait. Qui tuerait, bien sûr, ceux qui l'auraient fait revenir. Mais en tout cas, moi, c'est un truc que j'aimerais bien. Mais que ce soit un renouveau. Pas genre qui reviendrait dans un remake. Peut-être un remake du 5. Mais amélioré, parce que même si j'ai bien aimé, il y a pas mal de choses qui étaient, voilà. C'est baston sur baston, quoi. Explosion, action, quoi. Il n'y a pas d'autre chose. Tous les héros sont. Il y a de l'action, mais dans le sens où les précédents, le 0, le 2, enfin le 2, le 3, tout ça, c'est bien. Il y a de l'action, mais c'est d'autres. Ah, du TNT! TNT! Il y a un autre couloir par là. J'ai pas vu s'il y avait quelque chose.
Tac tac. Et là c'est quoi? Objectif intermédiaire. Donc il va y avoir un ennemi. Je regarde tout ça là. C'est quoi tout ça là? Bon, j'ai sauvegardé, je reviendrai, sinon. Je vais aller voir ça. PCC. M4. Lieu de stockage des explosifs. La dynamite a été transférée vers la salle de stockage M4. Avertissement relatif au dynamitage. Les éboulements sont fréquents. Restez à bonne distance du point d'explosion. En cas de sinistre, déblayez rapidement la zone. Assurez-vous que le personnel est en nombre suffisant. Je vais juste voir si je peux prendre quelque chose pour combattre. Parce que là, c'est clairement un combat là-bas. Oh, Léon. Faut regarder ces graphismes là. Ces graphismes, pardon. Quoi ça là? Putain, je suis... Ah, puis il me sert mieux. Ok, c'est là-bas. Je pensais qu'il y aurait des dynamites à récupérer, mais en fait non. Ok, hey, donc... Depuis quand au milieu. C'est bloqué ici? Avant, ça menait à la sortie. On peut pas mettre là, on peut mettre qu'ici. Ah, d'accord, ok. Donc on est obligé d'aller là-bas, quoi. Hein. Donc on est obligé d'enjamber ça. Il est là-bas, lui. Sans francs en moins, en fait. Hein. Ah, il est là. Hop, si. Ah, il y en a un là. Mais je peux pas le... Je peux le viser là, mais... Ah, même pas. Est-ce qu'il vient jusqu'à moi? Il vient jusqu'à moi. Viens des... Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il va y avoir d'autres qui vont arriver, bien sûr, hein, mais j'en élimine un certain nombre. Est-ce que je peux en avoir ailleurs? Non, je peux pas. Voilà, toi. Oh, bien sûr. Raté. Merci, je suis au courant. Merci. Ça me sera pas utile pour l'instant parce que j'ai pas de... Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière ou pas? Oui. Ah,
Voilà. Oh mais ils sont deux en plus, encore. En plus ça leur fait des dégâts aussi hein. Ok, donc là il vient de se transformer l'autre. Oh, t'es toujours en vie? C'est chiant ces trucs là. Là derrière. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Ça a dû mettre un petit peu de temps, un peu trop de munitions utilisées, mais voilà. Je voulais pas utiliser ça, hein. J'ai dû faire deux fois flèche du haut pour prendre... Oui, attends, là-bas. Merci. Tac, sortir. Ah, j'ai deux trucs, j'ai pas fait gaffe. Et là, ça me fait combien? 40 300, énorme. Bah, pour l'instant, le plus gros, je crois que j'ai vendu, c'était 59 000 et quelques. 59 000 et quelques, je sais plus combien. Encore ça là-bas. Ça c'est cool, merci. Je peux remonter ou pas? Ouais, je pense que je peux remonter, mais via... Attends, c'est quoi ça? Ah, c'était vers le haut. J'ai pas été là-bas. Ok. Non. Alors attends, 40 300. Est-ce que en mettant ici 38 400? Non. Donc tac. Donc ça je le garde, j'ai pas le choix puisque l'autre il a que les trucs je sais pas comment on appelle ça. On peut pas aller là. Ok. Et l'autre côté ça sert à quoi?
Je pense que je pourrais faire quelque chose, mais uniquement ailleurs. Quelque part. Ok, j'avais tout visité ici. Donc on y go. Il faut leur mettre des balles quand même ceux-là. Pour le magnum. Ah non, j'ai pas de... Ok, je garde pour le magnum. Ça c'est cool, merci. Il y a là, je sais. Et là, c'est pour descendre. Ok, on ouvre le d'en bas. Et ils reviennent. Oh, y a une caisse. Forcément, c'est pour eux. Ok, ils sont bien dus. Voilà. Merci. Ils viennent que pour moi, hein. Ils l'attaquent un peu des fois, mais... Ouais, ils s'en foutent de lui un peu quand même par moment. Ah, trop tard. Ok. Ok, ça s'est ouvert ici. L'enfoiré! Ah, l'enfoiré, quoi. C'est chiant. Ça améliore en fait ça, la santé. Parce qu'on voit qu'elle grandit grâce à celle-là. Pas aux herbes, aux poissons, tout ça. C'est vraiment que par ça en fait. Bonjour. Mais genre... Il peut pas... Bordel, je récupère des missions en disant ouais, c'est cool. Et non, en fait, hein. Attends deux secondes, je vais récupérer. C'est là le trésor qui est ici. J'aurais peut-être pu vendre ça, hein, si je l'avais plus tôt. 10 000. J'aurais bien voulu des joyaux à la place, hein. C'est cool, hein, mais voilà, c'est tout, j'aurais bien voulu. Voilà. Tac. On va garder ça ici. J'ai pas récupéré une grenade? Ah non, c'est des gros... Je n'avais point fait gaffe. Je n'avais point fait gaffe que c'était pas juste des grenades normales. Normaux. Oui, c'est ça. Mais plutôt des grosses grenades. Par contre, c'est pas les mêmes, on dirait. Grenade lourde. Si, c'est la même.
Ouais, c'est quand les couches, en fait, le haut devient plus vert. Pas compris. Non. Putain. Désolé, hein, je... Je fais ça. Est-ce qu'ici, il y a autre chose? Mis à part, bien sûr, la dynamite. Je pourrais utiliser ça. De la dynamite, hein? Belle trouvaille, mon ami. Ouais. On va pouvoir déblayer le chemin. Let's go. J'ai entendu que ça bougeait. J'aime pas quand ça bouge. Sauf si c'est amical. Je pensais pas que ça viendrait comme ça. Je pensais que ça éclaterait et ça suffirait, mais en fait non. Et des éboulements. C'est pour ça que l'autre est resté sur la droite. Il aurait pu le dire quand même. Attends, j'espère que je vais pas tout recommencer. Parce que là, ça serait chiant. Et ça engagerait un rage kit. C'est bon? De la dynamite, hein? Ah, c'est bon, c'est bon. Belle trouvaille, mon ami. Ouais. On va pouvoir déblayer le chemin. Il le savait. Reste là par contre toi aussi. C'est bon, j'attends, hein. Tu le défends plutôt bien. T'es sûr que t'es qu'un simple chercheur? Ça peut revenir en arrière, c'est cool. Je suis juste un mec. On va revenir en arrière pour sauvegarder. Même si j'ai plutôt du succès avec les femmes. Ouais. On verra quand on retrouvera Ashley, puisque avec Ada, c'est pas trop ça. Attends, on peut passer. On peut sauter d'ici. Salut, étranger. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Une affaire bien conclue. Je te souhaite bonne chance. Comme neuf. Et ne va pas te faire tuer, hein? Ouais. Attends. Oui, c'est bon. C'est bon pour le moral. Bon, voilà. Sauvegarder. On va. Comment dire? Attends, si je prends là. Et qu'après je fais ça. Ça remplace la grenade flash. C'est cool ça. Là, j'ai la grenade flash. Je reprends mon pistolet. Et hop, ça remplace la grenade tout court. C'est cool! J'aime bien les petits modifs, comme pour l'arme de dos. Hein. Ça remplace. Ça laisse la dernière arme qu'on a prise. Ok. Alors ici, c'est quoi comme ennemi? C'est un ennemi qui demande énormément de balles. On laisse. On reviendra récupérer ce qu'il y a ici. Et c'est tout, quoi. On n'a pas le choix, je crois, hein. Après toi, j'insiste. Un vrai gentleman. Oh putain! Ça fait peur, ce con. Bah non. Bien sûr, il vise sur le truc en métal. Tu me revendras ça? Oui, fais gaffe! Voilà, on est quitte. Ils sont deux maintenant. Comme ça, toi. Il y en a deux. Sortez.
Je récupère tout ce qu'il y a, hein. La musique est top, hein, quand même. Alors. Grosse grenade, bien sûr. Après, je suis obligé de refaire... Ah non, attends. Aussi, tant pis. Non. J'ai une mitraillette, mais ça me sert à rien. Depuis tout à l'heure, hein, enfin, je l'ai vendu d'ailleurs, hein, si je me rappelle bien. Je vais pas l'acheter, je vais le laisser là. Je vais le vendre. Mitraillette, je vois, ça utilise trop de balles. Et en plus, rien que déjà avec le pistolet, j'en mets beaucoup à côté. Alors, là, je peux maintenant. Attends, fabriquer. Voilà. Oh purée! J'ai pas vu que l'autre viendrait. Merde, l'armure me protège. Je vois pas son truc de... Je peux pas le tuer comme ça. Merci, reste... Non mais non, reste... bouge plus. Je voulais juste passer là comme ça, mais... Oh, ça va, il m'a pas fait énormément de dégâts là. Je pensais qu'il m'en ferait plus. J'arrive pas à viser. Lui par contre il va être complètement difficile, il est recouvert de métal. Louis, merde. Dépêche-toi. Par contre, l'autre était dessus, hein. Donc, Et là, il fait. Il fait deux données là. J'ai utilisé en fait l'autre grenade pour rien. On va mettre ça comme ça. Non, comme ça, ça sera mieux. Par contre, ouais, on a juste. Ça va, c'est bon. Par contre, est-ce qu'il y avait autre chose? J'ai pas fait gaffe. Je fais le tour, tu t'en occupes, hein. Quoi? Il se barre, l'enfoiré. Ah oui. Ah bah merci. Il faut que j'allume avec un pistolet. Ah bah merci bien. Voilà, c'est ce que je me disais. Raté! Arrête de bouger! Putain, je vise comme une merde! Le plan se déroule sans accroc. Allez, oh putain! Dépêche-toi! Voilà! Tiens, en parlant de ça. Non, c'est bon, il. Thibou.
Oh putain, il vient vers moi en plus. Ah bah merci, attends, je suis pas un... Je suis pas un ballon de foot, moi, gars. Il va arrêter ? Allez, go, 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 go. Voilà. T'as beau être couvert, hein. Voilà. Ah, même mouvement, hein. J'aurais aimé qu'ils auraient fait une autre animation, mais bon. C'est cool, il est là-bas, je pense qu'il pourra mourir de là-bas, je pense. Bon, attends, je refais le tour, on sait jamais si j'ai loupé un petit truc. Je regarde si j'ai pas loupé quelque chose. On ne sait jamais. Je sais pas si j'ai pas fait ici. Non, c'est bon. Attends, derrière, non? Non, je pensais qu'on pouvait passer. Let's go. Bien. Alors ? Voilà, c'est ouvert. Où ça ? Ici ? C'était chaud, hein ? On a chié. Ah bah ça, oui. Quand je pense qu'ils ont des monstres comme ça, même ici. Ce sous-sol est sacré pour eux. C'est ici qu'ils ont découvert Las Plagas, conservé dans des dépôts d'ambre très anciens. Ils avaient que ça à foutre. Attends, désolé, je regarde. Attends. Ah, mais ça vient, d'accord, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Tu sais quoi, on va pas se soigner pour l'instant, comme j'ai dit. Si on a de nouveaux ennemis, tout ça, qu'on se fait... Malmené, là oui. De toute façon, j'ai des sprays dans mon coffre, donc ça va. Attends, je regarde en haut, je fais jamais gaffe. Tu veux quand même pas qu'on monte là-dedans? Parce que t'as une meilleure idée. Ouais. Ah bah tiens, sauvegarder. On sauvegarde. Ah, ça va. Attends, ça peut aller. En fait, attends. Non, c'est bon, j'avais. J'aurais pu garder en fait finalement. Attends, c'est pas grave. Là. Et la balle. Magnum. Ou 3 balles, je sais plus. J'ai cru que deux messages d'un coup. Attends 2 secondes, hein, je me gratte le pied. Ça me gratouille. Ça me regratouille. Et ça me gratouille plus. Allez, pousse, Sancho. Qui est-ce que t'appelles Sancho? Ça y est, on roule. Ah, mais je reste derrière? Ah non, quand même. J'arrive pas à croire que je fais ça. Hey, on est pressé, non? Oh, au fait. Quoi encore? Ça descend. J'espère que t'es bien attaché. Oh. Allez, on regarde. On va dérailler! Sors-toi! Ah. Merde, faut en fait aller dans le sens contraire du virage. Bah, pas besoin. Non? Ah merde, j'ai pas tiré à temps. J'ai pas tiré à temps. J'en ai marre de ça. On aura, allez, des blessures tout au plus, mais c'est tout. Vraiment, on aura pas dû mourir là.
Allez. Alors, c'est vrai que là, on va... Ah, et j'ai, en plus, j'ai munitions illimitées, je savais pas ça. Ah merde, j'ai fait dans le sens inverse. Désolé. Enfin, dans le même sens. J'arrive même pas à viser. Je suis dans un sale état. Fais-y plus attention, d'accord? Hé, ça y encaissera pas un autre coup. Trois fois. Bah oui, mais non, mais... Putain, mais il prend énormément de coups. Enfin, de dégâts, quand même, le truc. Hein. C'est énorme. Hein. Genre, en trois coups, je crois. Hein. Si je dis pas de conneries, en trois coups, le truc... Certes, il est fait en bois, mais quand même, quoi. Genre l'autre, en fait, moi je tire et lui il a juste à retirer les flèches, quoi. Genre c'est normal, quoi. Easy, quoi. Easy peasy. Allez. Et on recommence là. On va dérailler. Pense-toi. Merde. On va se tourner. Merde. Occupe-toi de ces plans. D'accord, c'est ça qui faisait des dégâts tout à l'heure. C'est ça, l'accident. Je visais à droite, à gauche, je sais plus. On va dérailler, je crois que je veux. Attention. Raté. Touché, coulé de MB. Touché. Raté. Raté. Bah oui, Ah bah oui, mais je peux pas tout voir, hein. Merde. Bah oui, mais... Oh mon dieu. Et puis sur les rails, bien entendu. Raté, touché, touché. Ah, j'arrive pas à viser. Ça va, là on est tranquillou. Je m'ai dit tranquillou pour l'instant. Et on accélère. Ça y est. Pile. Tu rigoles? Les choses ne font que commencer. Heureusement que t'es munitions. Illimité, ça grogne. On peut retourner en arrière. Oh, dommage, dommage. J'ai même pas. Je crois que ça a changé, hein. Je répète, hein, mais je sais plus comment c'était dans l'original. Ça grogne. Ça fait agregreux, agregreux. Hein. Et quand ça fait agregreux, et ça fait agregreux. J'ai eu un truc de réseau là. C'est... Un pichet et il faut mettre des trucs dessus. Ah
De l'argent, alors je veux bien, hein, mais... Oula! Oh, c'était bizarre, ça. C'est quoi, ça? Ah, des missions. Merci. Ah, fais plus agrégrégré comme ça. C'est quoi? De l'argent. Et l'argent qui est où? Qui est ici? Je regarde... Ah, oh, d'accord, on a fait le tour. On part là, c'est cool. De la ferraille. C'est chiant. Encore ? Bon, pas de choix. Ok, on y va. Ah, trop vite. Dans la on devrait on aurait dû mourir. Je vois rien là. Détruit les deux. Raté. Ouais, désolé, mais ils sont trois. Hein. Juste attends, quoi. Bah, j'ai pas eu le temps. Là, ça va ralentir, on va redescendre, non? On peut pas aller vite là, hein. On est en montée là. Ah, j'arrive pas. Heureusement qu'ils sont limités, hein. Ah mais oui, mais... Fais-y plus attention, C'est quoi ici? C'est ça? Comment ça a poussé ici ça? Ah! Ah! Oupsie! Quoi? T'es sérieux là? C'est facile hein, quand même de viser les gens dans les autres trucs. Je sais plus comment c'était nommé. C'est bon ? Ah bien ? Non, on s'en sort bien. Je trouve, ouais. Je trouve. Et on va se regarder, bien entendu.
Ah là, franchement, ça bouge, hein. Tout tombe en ruine. On doit pouvoir faire le tour. Allez, viens. Journée de merde. Ah bah ça. Journée de merde, boulot de merde, pays de merde. Ah mais on descend là, j'ai pas fait gaffe. Descends par là, t'as rien ici. Ah oh bah merci de descendre là quoi toi. Attends. C'est soit on descend là, soit on descend là. Et je peux... Est-ce qu'on peut remonter? J'ai l'impression que c'est des échelles. Hein. Ouais. Je descends où? Je suis descendu là. Là, on fait ça. On peut remonter là et on peut aller ici. Hop, toi des deux. Je regarde si on peut aller là-bas. Ah mais non, on peut pas. Attends, si on peut. Ah mais non. J'ai cru qu'il y avait un passage, parce que je voyais une échelle qui descendait là. Enfin, du moins qu'elle est là. Et j'ai cru. Pardon, on redescend. Bon. Oh, monsieur... Je le savais. Quoi? Fais gaffe. Ah! Ah bah oui, bah merci de me prévenir 2 ans plus tard. Ah bah j'ai pas le choix de toute façon. Il est où? Il est parti? Il y en a d'autres encore? Oh merci d'éviter. Est-ce qu'ils vont revenir? En tout cas, il a un effet. Il a la mémoire que... La mémoire. La même arme que moi, en tout cas. En tout cas, une balle dans la tête et... On utilise beaucoup de balles, franchement. C'est chiant, hein, mais... Ah, bordel! Ah, on aurait pu utiliser ça, mais tant pis. On va faire ça. Il m'en faut. Ouais, j'aurais pu mettre ça, hein, s'il m'avait pas... Agraba. Je m'ai pas mis. Ah, qu'est-ce qu'il faut ça? Trop de nos camarades ont perdu la vie à cause de ces insectes qui viennent sans arrêt. C'est un véritable fléau. Que quelqu'un détruise les entrées de leur énorme nid pour éviter une nouvelle tragédie. Ok. On va falloir détruire tout ça. Qu'il s'affiche ou pas? Pas du tout. Attends, je regarde, je suis... On peut aller là. Ce qu'on va faire, d'ailleurs. Faire gaffe, hein, parce qu'ils peuvent...
Je les oublie vachement quand ils font ça. Quand ils sont en forme. Les insectes. Charge-toi d'eux, d'accord? Et si t'ouvrais le feu plutôt que ta bouche? Hé, c'est moi le cerveau, hein. Et toi, les muscles. Ok, faut que je vise le plus éclairé. Donc là. Et l'autre doit être de l'autre côté, je pense. Je le vois là. Non? Ah, j'ai cru. On peut descendre par là. Ah, il est là, bordel. Parce que je récupère en même temps, parce que des fois je prends, mais je fais pas gaffe. Ah, attention, il y en a un autre là. Ça va, je voulais regarder si j'ai oublié si ça faisait des dégâts ou non quand il s'explosait. Oula, Foiré, il m'a attaqué par derrière. Ouais, ça fait mal. Hein. Donc là, on a fait le tour. Là, on est venu par là, je crois. Si j'ai pas fait, si j'ai bien dit, bien fait, bien dit, gaffe. Là, j'ai vu que c'était juste des munitions de pistolet. Ah, attention. Alors, ça fait pas de dégâts, mais ça dégueulasse mes vêtements. C'est pas maintenant que je vais faire la Fashion Week, hein. Oh, tu m'as fait peur, toi, donc. En tout cas, voilà, on a fait le tour. Désolé mon gars. Désolé. Alors attends. Attends. On va faire sur celui-ci. Je remplace. C'est bon, et ça fait combien maintenant? 14 400. Voilà, on verra bien avec d'autres joyaux si je peux y mettre. Si j'y pense surtout. Yes sir. J'ai même pas vu ce petit passage là. J'ai même pas fait gaffe. J'en vois un, je vois son ombre. J'ai vu son ombre. Non, c'est pas ça. Suivant. Putain, j'ai cru qu'il allait m'attaquer. Heureusement qu'il est là lui aussi, hein. Oh, t'as volé. Et il est où l'autre, hein?
Elle est où l'autre? Je crois que c'était ça. Ah, il est là. Ok, une mission de faite. Voilà, ça c'est fait. Ok. Heureusement qu'il donne des munitions de pistolet de temps en temps. Là, normalement, il devrait arrêter de venir. Vu que dans le message, c'était que ces quatre passages-là, c'était là où il sortait. Ah non, regardez. Tu sais quoi faire. Alors attends. Un passage là, on vient ici, on peut sauvegarder. On repasse tout ça. Mais non, c'est là où on vient. On est où? On a fait le tour en fait en gros. Ah oui, la mission est ici. Non non, en fait hein, c'est juste un passage. J'ai cru qu'on revenait par là. On va aller d'abord ici. Ah, c'est le marchand. Merci marchand d'être là. Comme ça t'as terminé une roquette, hein. Yes. Yes 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 yes. Ah, bien joué. T'as prouvé. Ça m'a donné combien? 4. En quoi puis-je t'être utile? Si je prends là, ça me fera 2 jetons, il m'en faut un troisième. C'est chiant. Souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. Ah bah oui, tu dates, mon gars. Enfin, tu dates. T'as pris de l'âge, hein, quand même. Hein. Je sais plus combien, tu dois avoir plus de 20 ans, je crois. Si je dis pas de conneries. Et moi, pendant ce temps, je vais aller aux toilettes. Donc, discutez entre vous. Voilà. En attendant que je revienne. A tout de suite.
vois qu'il y en a pas mal qui sont sur Legend of Zelda. Il faut que je retrouve le nom. C'était Tears of the Kingdom. J'ai la Switch. J'ai pas le jeu. Et j'ai pas fait le premier, déjà, de base. Donc voilà. Donc. Let's go vendre. Je te vends ça. Je te vends ça. J'achète tout et n'importe quoi. Merci. Voilà. Pour l'instant, t'as rien d'autre. On répare. Je te souhaite bonne chance. Pardon. On répare. Comme neuf. C'est quoi? Attends, non, c'est réparé. Pas réparé, modifié. C'est quoi que je devais améliorer? Ah putain. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer 5000. C'est énorme. Pareil, amélioration spéciale, mais il faut que je les améliore tous à fond en fait pour améliorer ça. Et fait toutes les autres améliorations, donc il faut que je les fasse à fond. Mais ça demande de l'arzin. Beaucoup d'arzin. Et j'améliore pas vraiment parce que. J'améliore vraiment la puissance, le rechargement. Surtout pour le Magnum, parce que le Magnum ça demande beaucoup de. Enfin, ça demande un peu de temps. Même si ça va, il prend pas énormément de temps, hein, avec une seule amélioration. Ça va. Hein. Donc voilà, j'aimerais améliorer au moins celui-là la prochaine fois. Et après, je prendrai cela. Tu sais. Ou alors, non, je vais le faire maintenant, tiens. Tiens. Désolé. Que ça donne, l'ami. Voilà, terminé. Comme toi devrait donc, terminé, ok, d'accord. Il n'y aura pas d'autres améliorations. Je pensais que, vu cet espace entre terminé, entre le mot terminé et la dernière barre d'amélioration, je pensais qu'il y aurait d'autres barres. Une les ou deux. Sont entre de mais non. Mains. Prochain ce sera celui-ci. Ah, finalement, ce sera ça. D'abord ça. Après ça, et je sais pas combien que ça coûtera. Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. Ok, d'accord. J'ai cru que t'allais dire autre chose, mais bon. Donc c'est bon. Bonne route. C'est ça là. Let's go en un, c'est bon, j'ai. Je regarde quand même. Ah, attends, j'ai récupéré un couteau, j'ai pas fait gaffe. On l'équipe. Ici, je peux faire fabriquer quoi la grenade? Non, j'en ai déjà deux. Deux petites grenades, deux grosses. Ah, mince! Oui, attends, j'ai oublié de. T'es où? T'es là. Bienvenue! Vendre. En munitions. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le versons. Voilà. En quoi puis-je. Les mitraillettes, comme je dis, ça me sert à rien du tout. Donc, alors, comme je disais. Je crois que je vais le garder pour les magnums. Hein. Voire même pour mes fusils à pompe. Je vais le garder de toute façon. En plus, en termes de sachet de bleu, j'en ai qu'un. Donc, je vais garder. On ne sait jamais. Je suis où? Je suis A. Je suis A, je suis I. Tu sais, il fait son petit nid douillet ici, lui. C'est ça, je vais dans mon sens. C'est bon. Je fais beaucoup ça, hein, mais bon. Vu qu'il n'y a pas de mini-carte qui s'affiche. Ok, on est de l'autre côté. Ah! Putain, il y a quelque chose là-bas. Y a pas moyen d'y aller? Bah non, on peut pas. On ne peut pas. Ah, oh, c'est tellement dommage. Y a quelque chose là-bas. Alors que quand j'y étais, y avait rien. Pas bouger. Ah putain, comment c'est. Ah non, j'ai dit en scène cinématique, mais non. Ah non, ça sert à rien.
Phew. J'y croyais. Je suis trop vieux pour ces conneries. Je te comprends pas. Pourquoi risquer ta vie comme ça? On se connaît à peine. Je te l'ai dit. Ça m'aide à me sentir mieux. Sois franc avec moi pour une fois. Los Illuminados. J'ai travaillé pour eux. Tu vois, je le savais. Vous aider tous les deux n'efface pas le passé. Je le sais. Mais quand même, je veux pas qu'il y ait d'autres victimes. Dans ce cas, arrête un peu de déconner. T'y vas fort pour un écuyer. On est sorti de cet enfer. Ah, ça commence à sentir l'air frais. Pour le fin. Parce que si on est arrivé jusqu'ici, ouais, bien ça sûr. Veut dire qu'on est presque. Presque quoi? Quoi? Ah oh, non! Je pensais que c'est pas qu'il mourrait comme ça. Ça fait un sacré bail, hein, le bleu. Major Krauser. Mais putain. Pourquoi? Je viens récupérer des objets volés. Et j'en profite pour éliminer quelques rats. Un plaisir. Alors, Ashley, c'était vous. Tu comprends vite. Qu'est-ce que je t'ai appris? Les couteaux sont plus rapides. Il va me faire tomber dans le truc là. Dans l'arène. Voilà. C'est cette secte qui vous manipule. Couteaux. On va les mettre là, les couteaux, parce que eux ils sont utilisables plusieurs fois. Je sais pas pourquoi je les mets là, mais. Ça ah, j'ai pu. Quoi? Bah, je comprends pas. Ah, j'ai que le couteau? Alors, avec eux, je suis un homme libre qui a fait un choix. Mais je peux pas me protéger? Ah, quand même. Reprenez vos esprits! Non, mais c'est plus clair que jamais. Maintenant, concentre-toi et montre-moi ce que t'as dans le ventre! Je peux pas courir? Ah, c'est quand même. Pourquoi vous travaillez pour ces tarés? Pourquoi? Est-ce que t'as oublié ce qui s'est passé il y a des temps? Opération Ravière? L'opération Ravière. Ah putain! Pas le choix, heureusement que j'ai récupéré ça. Le gouvernement a laissé faire! Je m'attendais à ce qu'il mieux se tape. Non, je me suis protégé, j'étais face. Hein. Ah oui, bon là j'avais pas pu. Mais non! Mais putain, mais j'ai pas le temps en fait. On m'avait dit que je devrais te poser le cul à nouveau. J'ai fait rond, bordel. Mais non! Je me protège, bordel! C'est du non! C'est du grand n'importe quoi, je me protège à tous les niveaux! Mais à tous les niveaux, je me protège! Est-ce que je peux prendre ça? Non, je peux pas. Même pas. C'est que couteau, quoi. Mais je dois me protéger pile au bon moment, quoi.
Je peux comprendre. Ce qui s'est passé était impardonnable. Mais c'est pas une raison pour vous en prendre à des innocents. T'es rien qu'un mot. Putain, merde. Du bien et du mal. Bordel. Ah, il est pas encore mort. Assez joué, le bleu. T'as vraiment pas changé d'un poil. Quelle déception. Ça se présente mal pour moi, hein, amigo. Et quelle perte pour les femmes du monde entier. Parle pas. Prends ça. C'est la clé de mon laboratoire. Vas-y. Et élimine ces putains de parasites. Sauve. Haché. J'ai fait des conneries dans ma vie. Mais maintenant... Qu'est-ce que t'en dis, hein, Léon? Les gens peuvent changer, non? Le truc, c'est qu'il a toujours été utilisé, je pense, Louis. Tellement dommage. Et 54, on va continuer un peu. Attends. J'ai tout utilisé, donc on va prendre. Tac. Allez, go. Tu t'es bien battu, Don Quichotte. Ouais. Et maintenant, je peux. Alors, j'ai mes armes sur moi, mais. Genre, quand même, s'il était rapide, il aurait pas été si rapide si j'avais eu mes armes. Regagner la surface. Est-ce qu'il y avait autre chose que les soins? Enfin, les trois plantes. Il y avait une autre plante ici. Genre, on a une mallette. Mais où il la met la mallette? Bonne question. Ok. Regagne ici. Léon, j'ai vraiment pas le temps de répéter, alors écoute-moi bien. Ton ami est au sommet de la tour de l'horloge. Si tu fais vite, tu arriveras peut-être avant qu'elle ne devienne l'une des leurs. Ah, bah t'as quand même un cœur. J'imagine que je devrais être remercié. Ouais, tu devrais. C'est Ada tout craché, hein. Qu'est-ce que je te dis? Ah, on est dans le sens, dans l'autre. Ok, d'accord. Plus de temps que j'ai vu cet endroit. Une petite clé, que je... ça m'en fait deux, hein, normalement. Ça m'en fait deux ici. J'ai la clé que Louis m'a donnée. La clé que vous a confiée Louis. Il me dit son laboratoire. Est-ce que c'est lui qui a créé tout ça? Dans le sens, le scientifique?
Ou alors ce scientifique, c'est le monstre qu'on a rencontré, l'alien. Quand je dis alien, c'est que pour moi, ça fait référence à Alien, ça. Où il peut se balader dans les conduits, tout ça, au-dessus des grilles. On peut ouvrir là. Après ici, pas besoin d'y retourner, hein, on a tout fouillé. Hein. Mis à part ici. Mis à part ici. Après là, t'as le jardin. Enfin, le jardin, le labyrinthe. Ici. Le truc, c'est que si, en revenant là, en fait, il y a d'autres personnages, enfin des ennemis, et c'est chiant. J'ai pas envie de leur tirer dessus. Je pourrais les éviter, bien sûr, mais bon, ils vont se regrouper, tout ça, à chaque fois, pour me poursuivre. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Parce que j'ai envie de. D'y aller, quoi. Et là-bas aussi, bordel. Il y a pas mal de trucs que j'ai dû laisser derrière moi. Ah, il y a là aussi. Je pense que je ferai ça, mais hors stream. Ouais, je ferai ça hors stream. Hein, parce que... On va aller voir le marchand. Finalement, je vais m'arrêter là. Je vais juste. Toi, tu dégages l'odeur du combat. Ouais, et toi, t'as d'autres phrases en stock? Parce que je suis un peu chiant là, tes mêmes phrases. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? On va réparer. Je te souhaite bonne chance. Non, c'est pas ça que je vais faire. Réparer. Rien de plus facile. En vendre. Non, non, on garde tout ici. On achète ça, tu sais, forcément. J'ai pas toujours ça en stock. Je sais, mais c'est très important. Naméo. Faut qu'à mon désir, j'ai ça, 38 000. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Non, attends, mallette. Pourquoi ça. Pas essayer non, une je peux pas. Nouvelle arme. Faut que je sors du truc. Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. Je vais garder ce que j'ai là. Enfin, je vais garder. Je vais pas racheter. J'ai ça. Ça me suffit pour l'instant. J'ai pas de nouvelle manette. Est-ce que ce sera tout? Fais-moi oui. Route. Je vais juste mettre ça dans le coffre. Et puis c'est tout. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai bonne munition dans le sens je... Ça va. On va dire ça peut aller. Deux grenades normales, deux grenades lourdes et grenade flash, donc aveuglante comme ils mettent. Donc voilà, donc j'ai ce qu'il faut pour l'instant. On va sauvegarder. Je pensais vouloir continuer, mais finalement non. On va sauvegarder ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais hors stream aller zioter ce que j'ai oublié. Ou pas oublié, plutôt j'ai foncé à certains moments parce que je ne pouvais pas. Comme par exemple la zone avec les catapultes. Ça va être chiant par contre à y retourner. Faudra que je retourne aussi. Il y a un meuble avec une petite clé et tout ça. Enfin bref, je vais retourner voir tout ça. J'espère que ça vous aura plu, franchement. Cet épisode était. Très mouvementé en tout cas, hein. Surtout le petit wagon. Ça y est, j'ai oublié le nom. Les wagons, enfin, c'est pas un wagon, c'est je sais plus comment ça s'appelle le truc. On était avec Chris, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Likez la vidéo pour du moins pour YouTube, hein. Twitch, merci pour ceux qui sont passés. Merci à Sams pour YouTube. Donc, likez la vidéo si ça vous a plu, partagez avec vos amis, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se donne donc rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao! Quand ça veut, bien sûr. C'est très lent. Salut!